pitié, sans pitié. Y a-t-il quelqu'un? C'est qui? C'est Bakary Seye, maman, l'ami intime de ton mari. Mais mon mari n'est pas là. Oui, oui, justement, il m'a dit de venir l'attendre. Voilà pourquoi je viens à son domicile. Mais il ne m'a pas laissé des commissions que tu dois passer. Ah, si tu veux, tu peux l'appeler que son ami intime est là. Je n'ai pas d'unité. Oh, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai des unités, tu peux l'appeler sur mon téléphone. Ok, je trouve alors. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, c'est pour me recarter tout le monde. Restez-vous. Couvrez-vous. Le comte de la terreur là. Je suis là, donne-moi tout ce que tu as comme l'argent. Je ne suis pas venu pour jouer. Tu te joues. Donc tu veux mourir à la place de ton mari. Pardon, bon, je te vois que ça trouve l'argent. Alors fais vite rapidement. Je ne suis pas là pour rire. Allons-y, si tu t'amuses à moi, je prends ta tête. Je ne suis pas là pour rire. Rapidement. Allons-y, donne tout. Donne tout, donne tout. Donne tout. Je veux tout. Allons. Qu'est-ce que c'est? Le rat d'affaires. Que Chirizo n'est pas mort. C'est maintenant que je vois. Dans mon rêve, c'est quelle vie ça? Merde! Dans la boue. Oh là là. Donc ce que les gens ont parlé, c'est la vérité. Donc Chirizo n'est pas mort. Même dans mon rêve. Mais attends, je n'arrive pas à croire. Je l'ai tué. Je mets près de 14 balles dans son corps. Mais pourquoi de... Mais attends, c'est quelle vie ça? Quel est le problème? Oh non! Dans la boue. Bah, je tremble. Je crois pas. Mais ce Chirizo, il est qui? Qui il est? Quand même, je suis le Bakary Saillant. Mais qui le protège même, ce type-là? C'est quel pouvoir qu'il a? Jusque dans mon rêve? Non, je crois pas à ça. Je peux pas croire. Je suis quand même le Bakary Saillant. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Jamais. Il faut que je consulte ma femme de nuit. Celle qui était... Je me rappelle. Celle qui était avec Chirizo dans le temps. Je dois la consulter. Mais quel pouvoir fait? Quel
comment faire pour la revoir, afin qu'elle me dise réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que je commence à avoir peur. Mais je ne peux pas avoir peur. Non, je dois avoir. Non, je ne peux pas avoir. Non, je ne peux pas avoir peur. Je suis le Bakary Saïan, le roi de la terreur, le Wenzé du Baba, c'est moi. Je ne peux pas accepter ce turiso où Bakary, tout va finir. Je dois descendre dans la rue. Tout, je dois commencer à prendre tout le monde. Parce que même où il est, je dois le croiser. Non, je ne crois pas. Ah non. Il faut que je la consulte. Il faut que je la consulte. Tu es là? Je suis là. Comment tu vas? Eh bien, bien, tu m'as appelé. Ah, je t'ai appelé, vraiment, ça va pas. Sérieux, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Dis-moi. Non, tout à l'heure, je suis en train de dormir. Je fais un rêve, vraiment. Un rêve que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je suis en train de dormir. Et voici que un coup, je me retrouve dans la boue avec Tiriso. Oui, je sais. La reine des eaux. La reine des eaux? Oui, qui est fâchée. Parce que je suis sortie avec Thierryzo. Tu sortais avec Thierryzo? Oui, je sortais avec Thierryzo. C'était ton mec? Oui. Donc elle est fâchée. Donc elle est venue prendre ma place. Donc on s'est dispersé. Ah bon? Oui. Donc actuellement elle protège Thierryzo. Je peux pas croire ça. Je l'ai tué, il est mort. Je mets 14 balles dans son corps. Mais pourquoi dans mon rêve, il vient sortir dans mon rêve? C'est que ce que les gens disaient, c'était la vérité. Je ne peux pas croire. Dis-moi quelque chose, non. Mais quand tu l'as tué, c'est que tu as brûlé son corps. Comment brûler son corps? Quand j'ai fini de l'achever, je suis parti. Je prends le temps. Mais tu as mal fait, il fallait brûler son corps. Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas, tu l'as ressuscité. Non, tu l'as ressuscité. Mal fait. Je sais que c'est ton mec, tu l'aimes toujours. Tout ça commence à m'énerver. Non, je ne peux pas croire. Ah non, il faut que j'appelle mes gars. J'appelle Château. Chaton est mon petit. Oui, allô le Gorba. Ah, on est gamé. On est très très gamé. Où je te parle vraiment. L'heure est grave. Viens rapidement s'il te plaît. Je dois vous parler. Appelle l'autre, le petit, ouais, venez ensemble. Voilà. Non, laisse tout ça. Viens. Viens, je dois te parler. Ouais, je dois te confier des missions. Viens rapidement, s'il te plaît. Rapidement. Chap. Ok, à tout à l'heure. Merci. Ah, je ne peux pas accepter ça. Thierryzo. Bonsoir, je vous sais. Ouais, faut bien du bon Kotoko. Ici encore, vous allez braquer. Madame, on n'est pas venu pour braquer. On veut juste prendre un pot. Nous sommes les gentils. Faut servir, faut pas avoir peur. C'est le petit de Thierryzo. Non, il y a eu peur. Nous sommes les gentils, il faut pas avoir peur, ok? Vas-y, sers-nous un bon Kotoko là, rapidement. Lequel? Blanc. Le blanc, ouais. Nous sommes les gentils, hein, c'est les gars de Thierryzo. Faut pas t'affoler comme ça, ça fait rien. Hein. Les hommes font peur quand même. Mais c'est normal. Il y a un malfrat qui roule partout. Madame, n'ayez pas peur, hein. Nous sommes les gentils. Nous, on braque ceux qui ont l'argent. Hein. Parce que les démunis comme vous, vous faites votre boulot pour avoir votre petit argent. On va faire quoi, voilà, toi? Tu vois un peu. Donc nous, c'est ceux qui ont l'argent. Nous, on s'en braque et puis on partage. C'est comme ça. Seulement comme nous ne sommes non, pas... Non, il ne faut pas avoir peur. Il hein? Faut pas avoir peur. Mais c'est ça, il y a un bon, certain Bakary Saïan. Laisse-lui là. On va boire notre poulet. On va trinquer. Prends ton verre. Tu sais pourquoi on trinque? Hein? Tu sais pourquoi on trinque? Non. Bois d'abord. Ah bon? Je te dis ça. Ça, c'est du bon, hein. Mais Joe, vas-y, informe-moi. Oh, mais non, je t'ai dit, j'étais à la maison. Non. Et puis, il y a un coup, mon téléphone. Mais Joe, allez, vas-y, oh, man. Je t'ai dit, je décroche. Allô? Tu sais, imagine, c'est qui? C'est qui, ta mousse? Non, ton boss. Quel boss? Mon frère, c'est un Thierryzo. Thierryzo? Je te jure. Man, à l'aide, faut pas me blaguer, man. Oh, Thierryzo, il est vivant. Mais je t'ai dit, attends, calme-toi. Je savais, man, je mais... savais, il est immortel, le gars. Il peut pas mourir. Oh putain, fini ça. La galère, fini. Joe. Il m'a appelé. Ah, mon frère, c'est Thierryzo. Je suis à Korogo. Mais il est où? Où ça? Korogo. Je te jure.
Il est allé faire quoi là? Fais-moi un transfert de 20 000. Il a dit le nom d'un gars là. Et puis de faire Orange Money 50 000 sur son numéro. Ah donc, bon? Bon, comme c'est Thierryzo, c'est mon frère, je suis content. Automatiquement, je cours. Je fais le transfert 20 000 francs. Ensuite, je me rends à l'agence Orange Money. Je fais les 50 000 francs. Je dis non, mais tellement j'étais heureux. Maintenant, après, je dis bon, attends, tiens. Korogo, c'est un peu loin quand même. Mais attends, je rappelle le numéro. Et tiens-toi bien, je tombe sur une femme. Oui, allô, bonjour madame. Je veux parler au propriétaire du téléphone. Elle dit non, qu'il a laissé son téléphone en charge, il est allé au boulot. Elle dit, il est allé au boulot. Mais bon, ok. Vous êtes où? Et elle mais me attends, confirme. Tout ça là, c'est long. Attends. Il est où? Il est où, man? Elle il me confirme que non, effectivement, elle est bien à Korogo. Il dit, alors là, c'est que la galère est finie. Donc tu vois. Mais le boss, il est où? Il est à Korogo. Mais alors, on va le chercher, man. Jusqu'à Korogo. Mais c'est le boss. Non, mais s'il m'a dit de lui faire transfert Orange Money 50 000, c'est qu'il va, il sera de retour bientôt. Oh, yo. La galère, c'est fini. Fini. Voilà. C'est bon, fini. De ce pas, hein, de ce pas, on va laisser le terrain du boss là. Ouais. Tout de suite, man. Bon, après là-bas, on va à la gala, chez les syndicats là. Mm-hmm. Parce que tu sais, quand ton boss va venir, il faudrait qu'au moins là, on ait plus que ça soit propre. Voilà. Et puis, parce que tu sais que Chaton est au courant de tous nos mouvements. Je sais, faut je sais. Faut qu'on aille vérifier, faut pas ils vont aller tomber sur les gens. Sur mais le ça, c'est obligé, là-bas. Ça, c'est obligé. Non. Donc, on boit rapidement. Et puis, on va. Ouh, ching, 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 ching. Au grand boss. Bah, chérie, ça fait combien? Au grand boss, Thierryzo. Oui. Hein? Fini la galère. Ça va, non, toi aussi, comment ça va? Non. Comment ça va? Tu travailles ça pour ça, attends. On est choco, hein. Non, tu sais, nous, on ne vole pas les démunis, hein. Non, donc, on fait rien avec toi. Tiens. Garde la faut monnaie. Faut garder la monnaie, hein. Voilà. Nous, on est là pour les démunis. Somme de choco, c'est voilà. Les petits de Thierryzo. On est là pour les démunis. Voilà. T'en prie, non? Merci, monsieur. Voilà. Merci. Et puis, du courage, hein. Merci. T'en prie, non? Sinon, ton truc là, c'est bon, hein. C'est après, maman, il est passé prendre aussi, hein. Merci, merci. Merci, hein. Bon, ciao, ciao. Bonne chance. Allons-y, man. Jibo, c'est Gamé, hein. C'est Djenzé. Parce que si je vous appelais là, tout à l'heure, je fais un rêve. Dans mon rêve, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis révolté. Parce que les gens disaient autrefois que Thierryzo n'est pas mort. C'est vrai. Tu parles de quoi? Je te jure. Tu es sérieux? Gigi même. Attends. Gigi. Attends, mou. L'histoire de Thierryzo, ça commence à faire trembler. Hein. Ah, vraiment. Je m'inquiète. Pourquoi, tu sais? Quand je me suis levé, j'ai appelé la sorcière. Elle est venue me demander, elle me dit que quand je tirais sur lui, est-ce que je l'ai brûlé? Je dis, comment le brûler? Quand j'ai tiré sur lui, je suis parti. Quoi? Le brûler encore? Quelqu'un qui a pris 14 balles, on fait quoi brûler encore? Ah, vraiment, ça me ça. 14 balles? Non, il n'y a rien à brûler. Ça m'inquiète, ça. Ça m'inquiète, ça me pète la tête. Non, c'est pas vrai, est-ce que sa sorcière a vraiment donné? Est-ce qu'elle a vraiment donné le mot de passe à Pichy? Ah, c'est ça. Il a parlé de feu. Parce que. Mais il est à base de l'eau. L'eau et le feu. Ah, là, ça devient un mouvement. Donc, ce qu'on va faire. C'est trop parler, c'est mentir. On cherchait à s'y renseigner. Puis rentrer jusqu'à dans son trou, pro ces petits-là pour les attraper, pour voir les gammes. C'est pour les patras même. C'est sans pitié. On va pas rire avec eux. Parce que cette histoire-là, ça commence à me prendre la tête. C'est mon esprit. Ça commence à me déranger. Ce qu'on va faire, ouais. L'un n'est pas s'asseoir. Aujourd'hui, c'est sans pitié. On va descendre dans la rue. On est gamé. On va prendre pour tout le monde. C'est le Bakary Sayan. On n'apprend pas au concours. On tue seulement. On a la vie, on n'a pas la vie. Pas le moral, c'est de coups venir emmerder l'homme. Aïe. Donc, on va chercher à prendre pour les prendre et puis on les fait pâlir. Ok. Moi-même, je serai sur le terrain. C'est sans pitié. Et on ne doit pas s'amuser. C'est compris? C'est compris? Est-ce que tu sais il y a quel mouvement encore? Au moment où tu jouais les bienfaiteurs là. Oui. Il y a les Mogos, tu connais le mouvement, ils ont pas les pistes à Djoufou. Mm-hmm. Donc les Mogos ne savaient pas où dormir, les Mogos étaient sans abri d'abord. Donc Thierryzo, immédiatement lui, il avait un terrain si passable. Il a construit, il a logé les Mogos là-bas. Ah bon? Il n'était pas de quelque chose. On va descendre là-bas. On descend là-bas, prends pour les Mogos. Hein. C'est sans pitié. C'est terrain, boss. On va descendre là-bas. Mettez la petite. Boss. Allons-y. On n'a pas le temps. Il fait ça. Allons-y. Chacun fourré, on va pas six missions, quoi. Chacun fourré. Tu as fourré? Ouais, ouais, ça va, boss. Et toi? On marche jamais sans okay. Ça, boss. Allez, les gars, allons. Piché,
Ouais. Ouais, ghetto là, c'est de là que t'es pas là. Ah bon? Voilà. C'est là-bas? Ouais, ouais, ouais. Ok, il y a foy. On t'en pour où, on t'en pour où. Ouais, ne tirez pas, ne tirez pas. Je me rappelle. Papa! Ouais. Je suis fort, hein. Viens voir ça. Regarde tout à l'heure. Il m'a 1000 francs. Oh, attends, je suis. Moquer de moi, monsieur grand joueur, j'ai eu beaucoup de coupes dans ce monde. Hein? Tu veux quoi ça? Tu veux quoi? Tais-toi! Tais-toi! Non, ne file pas à lui! Nous, on ne connaît pas pardon. J'ai dit tais-toi! On a qu'à verser petit là. On ne connaît pas pardon. Allons, les gars. Le petit de Thierry m'a appelé tout à l'heure là. Et puis il arrive. Ils ont encore organisé une réunion. Il va venir parler de quelque chose. Allez, voilà, mais il arrive. Bon arrivé. On y va. Comment ça va? Qu'est-ce que vous? Ouais, s'il te plaît. Franchement. On y va, si ça va? Oui, ça va. Nouvelles du matin. Ouais. Bon, franchement, les nouvelles sont pas trop ça, mais je pense que ça va aller. On vous écoute. Bon, famille, les nouvelles sont vraiment pas bonnes. Thierry Zou, mon beau, s'est fait tirer là-dessus. Ils ont tiré sur lui. Quoi? Bon, on n'a pas encore vu son corps, mais je pense que, comme je le connais, il sait que ça doit aller quelque part. Donc, pour le moment, je vais vous dire que, quelle que soit la personne qui va venir ici, si là ça vous appartient, moi j'ai les papiers à la maison. N'importe qui va venir ici, ne paye rien, 5 francs donnés à personne, jusqu'à ce que je revienne encore pour vous dire voilà ce qui se passe. Maintenant, pour le moment, restez ferme. Hein? Je pense que, par la grâce de Dieu, j'ai confiance. Comme on n'a pas retrouvé son corps là, donc je pense que ça va aller. Pour le moment, n'importe qui va venir, si vous encaissez quelque chose, ne donnez 5 francs à personne. D'accord, nous-mêmes, on n'a pas l'argent. Non, en fait, l'argent, c'est pas un problème. Tout compte fait, elle a mon numéro. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, vous voyez là, elle me fait signe, puis je vais vous apporter quelque chose. Bon, toi, tu vas ici. Toi, tu vas de l'autre côté. Hé, hey, viens ici. Viens ici, donne-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes m'amènent dans la cour et puis le petit frère du propriétaire il fuit. On ne comprend rien même. On ne sait même pas ce qui se passe. Prends ça, prends ça! Pourquoi vous êtes arrêté comme ça? Vous faites quoi là? Vous avez quel problème là? Je vous parle, ne me répondez pas. Je vais vous abattre une à une. Pardon qui? Demande pardon à Dieu d'avoir longue vie. C'est à moi que je demande pardon. Je vous abattre. Mets-toi bien à genoux là. Je dis, désormais, c'est moi le roi. Bakary Sagnon, je passerai chaque mois pour encaisser le loyer. Vous avez compris? Le bon du propriétaire était là. En bon? Le bon du propriétaire? Il était ici? Oui, monsieur. Mais où il est allé? Mais répondez-moi! Il était là tout à l'heure, mais on ne sait pas où il a passé. Il était ici? Il était là. Il est comment? Répondez-moi! Il était ici, mais il était parti. Et on allait voir à l'école. Tiens. Attends! C'est qui ça? Demande ton sac! Un élève! Quitte-moi! Toi, tu vas à l'école? Va! Souvent, il y a beaucoup d'argent dans le sac. Bon, ok. Moi, je passe ici à la fin de ce mois. Vous avez compris? On a compris. Ton sac pour aller à l'école. Je dois t'abattre si tu t'amuses avec moi. Je suis le Bakary Sagnon. Tu as compris? Tu fais quoi à l'école, toi, petit?
Il te parle. Qu'est-ce que tu fais à l'école, toi? Moi, j'étudie pour devenir président pour aider mes parents. Président? Aider tes parents? Dans le pays, là. Fini avec le président. Toi, tu veux être président? Toi, tu veux être président? Toi, tu veux être président? Oui. En bon, encore un homme politique, un futur homme politique, pour diriger le pays mal. Va là-bas! Quitte-la rapidement! Je viens à la fin du mois. Si je trouve ce petit encore sur mon chemin, je la barre. Allons-y! C'est pas du jeu. Bonjour. Oh, oui, ça vous va? D'accord, vous êtes en folie là. Il y a quel problème? Monsieur là. J'étais ici tout à l'heure. Pitié. Ils sont où? Ils sont venus ici. Ils sont partis, ils sont pas. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont passés comme ça tout à l'heure. Ah bon, tu suis là? Oui, mais ils sont sortis là-bas. Ah bon, tout à l'heure là? Oui. Bon, toi, tu nous attends ici. Allez. Ils vont gérer ça tout à l'heure. Ils vont les gérer. C'est parce que j'avais rien sur moi. Putain.